Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un fromage cheddar qui ne sera pas orange cette fois-ci. On va l'assaisonner avec du poivre. On va faire un cheddar au poivre. Dans cette vidéo, vous verrez deux façons pour assaisonner un fromage que vous souhaitez affiner sur une longue période de temps, comme le cheddar. La première étape ou façon, c'est d'aromatiser le lait. Et la deuxième façon, c'est d'ajouter quelque chose juste avant le moulage pour ajouter des ingrédients dans un fromage. Et aussi, je vais vous montrer quoi ne pas faire à une étape très précise de la recette. C'est que je reçois tellement de photos dans mes courriels de fromages cheddar qui ont une drôle d'allure et je ne veux plus recevoir ces photos. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que je réponds en fait à tout le monde. Un petit ajustement très mineur à faire, mais qui va faire une grosse différence. Et je profite de l'occasion pour vous dire, si faire du fromage à la maison vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, vous allez trouver plein d'idées recettes, des astuces, des quoi ne pas faire et vous allez voir plein de vidéos qui tournent autour du fromage. La recette de fromage cheddar au poivre s'affiche à l'écran. Certains ingrédients peuvent vous sembler mystérieux, mais de grâce, ne quittez pas la vidéo, ces ingrédients existent. Avec Internet de nos jours, on peut tout acheter en ligne et se faire livrer à notre porte. La première étape, comme pour toutes les recettes de fromage, c'est d'utiliser du matériel propre. Donc je fais bouillir tout ce qui peut l'être et j'utilise du vinaigre blanc sur le reste. La première vraie étape, c'est de préparer nos grains de poivre. Nous allons les faire bouillir dans un demi-litre d'eau durant 10 minutes. Dans la recette, vous allez voir, moi je vais utiliser 2 cuillères à table de grains de poivre. C'est vraiment beaucoup de poivre. Je voulais faire un test, mais de votre côté, utilisez une cuillère à table seulement. Vous allez voir, ça va donner un résultat qui est beaucoup plus équilibré et moins percutant en termes de goût. Une fois notre poivre bouilli durant 10 minutes, nous allons le drainer. Durant toute la recette, vous allez me voir chauffer mon lait de façon indirecte, c'est-à-dire que je ne mets pas mon chaudron de lait directement sur la source de chaleur, ça risquerait de brûler mon lait. J'utilise donc un chaudron d'eau bouillante sur lequel je dépose mon chaudron de lait. Le lait que j'utilise ici au Canada, c'est un lait qui a été pasteurisé et homogénéisé. C'est que le lait cru n'existe pas ici, il est illégal à la vente. Nous allons chauffer notre lait jusqu'à une température de 31 degrés Celsius. En prenant la température de votre lait, n'oubliez pas de le mélanger. Ça va mélanger la température aussi. Vous n'aurez donc pas de zone de chaleur. Vous allez avoir une meilleure mesure. À 31 degrés Celsius, on retire le chaudron du feu. À cette température, nous allons ajouter les ferments. La culture bactérienne que j'utilise est une culture mésophile et plus spécifiquement, j'utilise la culture MA4001. J'en utilise 1/4 de cuillère à thé pour la recette. Vous pouvez utiliser d'autres souches de cultures bactériennes mésophiles et expérimenter. C'est comme ça qu'on gagne en expérience quand on fait notre fromage à la maison. Après les avoir saupoudrés sur le dessus du lait, on laisse réhydrater 5 minutes, puis on va les brasser pour bien les incorporer au lait durant 1 minute. On va laisser nos cultures bactériennes maturer le lait durant 40 minutes. 40 minutes plus tard, souvenez-vous de notre liquide de cuisson du poivre. Assurez-vous qu'il ait bien eu le temps de refroidir, c'est-à-dire qu'il soit à la température du lait environ, autour de 31 degrés Celsius. On va à présent l'incorporer au lait en le brassant environ 1 minute. Prochain ingrédient, c'est le chlorure de calcium. J'en utilise 3/4 de cuillère à thé pour mes 12 litres de lait. Je le dilue dans un peu d'eau non chlorée pour faciliter son intégration au lait. Et c'est ce que je vais faire, je vais l'ajouter au lait en brassant environ 1 minute. Le chlorure de calcium va servir dans un lait qui a été pasteurisé à rendre le caillé plus ferme et plus résistant à nos coups de cuillère plus tard. Prochain ingrédient, c'est la présure. C'est ce qui va nous aider à faire coaguler le lait. La présure aussi, je la dilue dans un peu d'eau non chlorée, toujours pour faciliter son mélange, son incorporation au lait. La présure, on l'ajoute dans un lait qui est déjà un peu en mouvement et on brasse lentement. Durant 1 minute au maximum, on ne veut pas brasser trop longtemps ni trop vigoureusement puisque la présure agit assez vite et on ne veut pas détruire son travail. Après l'avoir ajouté, on freine le lait pour ne plus qu'il y ait de tourbillon dans le chaudron et on le laisse coaguler durant 60 minutes. 60 minutes plus tard, je vais faire le test du couteau. Je vais trancher mon caillé, tourner mon couteau à l'intérieur, remonter. Et ce que je veux voir, c'est une tranche qui est nette. Je veux qu'elle soit propre et qu'il n'y ait pas de fragments qui se détachent de la tranche. Si c'est ce qui arrive pour vous, attendez encore 10 minutes et revenez faire un test du couteau. Si le test du couteau est concluant, on va découper notre cahier en cubes de 1,5 cm.
Je commence par faire mes tranches dans le même sens, puis je vais les faire dans l'autre. Ainsi, j'obtiens des colonnes. Ce qu'on veut, c'est des cubes. Alors, je vais faire mes troisièmes tranches, si on veut, à 45 degrés. J'aurai donc des sortes de cubes en diagonale. Il existe des outils plus spécialisés qui vont vous aider à faire les tranches horizontales dans votre chaudron. Je ne veux pas les utiliser dans mes vidéos pour vous montrer qu'avec un simple couteau, vous pouvez faire du fromage à la maison. Après la découpe, on va laisser nos cubes cicatriser durant 10 minutes avec du lait pasteurisé. Si vous utilisez du lait cru, 5 minutes devrait suffire. C'est qu'au début, le caillé est très fragile. On veut lui laisser la chance de former une sorte de croûte protectrice un peu plus forte qui va supporter nos coups de cuillère. Si je commence à brasser dès maintenant, il y a de fortes chances que mon caillé va exploser en 1000 morceaux et les cubes de 1,5 cm que j'ai fait n'existeront plus. Et la prochaine étape, c'est de monter graduellement la température à 39 degrés Celsius durant les 30 prochaines minutes. Ça donne donc une moyenne d'environ 1 degré Celsius par 3 minutes. C'est important de monter la température graduellement au cours de cette étape. Au début, vous ne brasserez pas très vigoureusement votre caillé, donc c'est l'occasion pour vous d'aller chercher dans le fond de votre chaudron les plus gros morceaux que vous n'auriez pas pu atteindre avec votre couteau, avec les coupes à 45 degrés. Ils vont se cacher au fond. C'est un jeu que j'aime bien, aller chercher les gros morceaux dans le fond, les couper du revers de ma cuillère, ou du côté de ma cuillère, pardon, et bon, répéter, aller chercher dans le fond, couper, et le 30 minutes va passer quand même assez rapidement. Durant cette période, n'oubliez pas de regarder la température de temps à autre. On doit monter d'environ 1 degré Celsius par 3 minutes pour atteindre le 39 degrés après 30 minutes. Il se pourrait qu'en regardant la température, vous soyez trop chaud par rapport à votre plan. Si c'est le cas, retirez votre chaudron du feu, attendez un peu et replacez-le sur le feu ensuite pour retourner dans votre plan de match. Dès que le 39 degrés Celsius est atteint après 30 minutes, retirez votre chaudron du feu. Le reste de la recette, on va la faire sans source de chaleur. La prochaine étape est très simple. On va maintenir le 39 degrés Celsius durant les 30 prochaines minutes en prenant soin de venir remuer notre caillé environ aux 5 minutes. L'objectif ici est que notre caillé ne s'agglutine pas ensemble et que les morceaux restent libres les uns par rapport aux autres. Après 30 minutes, on va faire un test. On va prendre un peu de caillé dans nos mains qui sont très propres. On va serrer avec une force qui est raisonnable. N'essayez pas de montrer toute votre puissance. Le caillé doit se compacter entre vos doigts et garder sa forme. Il ne doit pas exploser dans vos doigts. Ça voudrait dire que vous devez encore brasser 10 minutes et refaire le test. Ensuite, le morceau compact de caillé que vous avez dans vos doigts doit pouvoir se défaire en grains individuels. C'est ce qui va indiquer que vous êtes prêt à passer à la prochaine étape, qui est tout simplement de laisser sédimenter durant 10 minutes. 10 minutes plus tard, on va égoutter à travers une passoire recouverte d'un coton fromage. On va conserver le petit lait ici, vous allez voir pourquoi. C'est que dans le petit lait, on a de la chaleur résiduelle encore. On va servir de cette chaleur-là pour maintenir la température de notre caillé. La prochaine étape porte un nom qui est très adapté à ce qu'on est en train de faire. Ça s'appelle la cheddarisation. C'est un mot qui peut sembler compliqué, mais tout ce qu'on va faire, c'est laisser notre caillé égoutter pendant 90 minutes, puis venir le tourner à chaque 15 minutes. Vous allez voir. Durant le premier 15 minutes, votre caillé est encore assez fragile. Si on veut, il n'a pas eu le temps de se compacter ensemble. On va simplement le laisser égoutter à travers la passoire et le coton fromage comme ça. Laissez un couvercle sur le dessus si possible. On veut garder la température du fromage à environ 38 degrés Celsius. 15 minutes plus tard, on va replacer notre fromage dans son chaudron initial. On va le couper en deux. Et on va superposer les deux moitiés l'une sur l'autre. Ça va créer de la pression sur le fromage, aider au petit lait à sortir du fromage et aussi ça va fusionner tout le caillé ensemble. Ce que je fais pour garder la température à 38 degrés, c'est que j'utilise, comme j'ai dit, le petit lait. Moi, j'ai un gros chaudron, donc je m'en sers aussi. Si vous n'avez qu'un évier de taille normale, c'est tout à fait possible de faire la recette aussi. C'est ce que je faisais avant. Remplissez votre évier d'eau chaude. Chaude à environ 42 degrés Celsius. 15 minutes plus tard, on va venir enlever le petit lait qui a été expulsé du fromage. On ne veut pas le laisser baigner dans son petit lait et on va retourner le fromage. 15 minutes plus tard encore, on va enlever le petit lait comme toujours. Et ici, ce que je vais faire, je vais retourner le fromage, mais aussi le couper en deux et superposer les morceaux les uns sur les autres.
15 minutes plus tard, je fais exactement la même chose. J'enlève le petit lait, je retourne. 15 minutes plus tard, j'enlève le petit lait, je retourne. Après 90 minutes, on va couper notre bloc de fromage en cubes. Ici, ce que je vais faire pour vous, c'est vous montrer une erreur qui est fréquente. Je vais volontairement couper mes morceaux en beaucoup trop gros morceaux. C'est qu'on m'envoie souvent des photos de fromage cheddar qui n'ont pas bien tissé ensemble. Mon impression, c'est que les cubes que vous faites sont beaucoup trop gros et je vais vous montrer à l'instant qu'est-ce que ça va faire comme effet. Et en plus, ici, je vais devoir intégrer des grains de poivre à mes cubes, vous allez voir la catastrophe qui s'en vient. Ce qu'on cherche, c'est des cubes d'environ 1 cm. Et même pour intégrer nos grains de poivre, on voudrait même plus petits morceaux idéalement. Ce qui va bien quand je fais cette recette-là habituellement, c'est de simplement l'émietter avec mes doigts. Je cherche des morceaux d'environ 1 cm aussi, mais le fait de les émietter avec mes doigts, les surfaces ne seront pas droites. Et les grains de poivre vont avoir une meilleure facilité à s'intégrer au fromage. Pour déterminer la quantité de sel à ajouter à un fromage cheddar, c'est très facile. On va le peser et on va ajouter 2% de son poids en sel. Dans mon cas, mon fromage fait exactement 1,5 kg. Je vais donc ajouter 30 g de sel. On n'ajoutera pas le sel en une seule fois. Si on fait ça, on risque de créer un choc à la surface de nos cubes, vraiment les déshydrater très rapidement. Ça va poser problème plus tard qu'on va vouloir les presser ensemble et les fusionner ensemble. Et si vos cubes sont trop gros, honnêtement, il devrait y avoir une lumière rouge qui apparaît dans votre cerveau pour vous dire que peut-être ça serait une bonne idée de les couper plus petit. Voyez par vous-même. On ajoute les grains de poivre à travers les cubes et plus vos cubes vont être gros, plus ils auront d'espace pour tomber dans le fond. Prochaine étape, on va appliquer un poids sur nos cubes pour qu'ils puissent fusionner ensemble. Pour ça, je vais utiliser une presse à fromage que j'ai fait moi-même. J'ai fait une vidéo sur la chaîne qui va vous expliquer en détail comment la faire. La première presse va être d'une durée d'une heure et on va appliquer un poids de 11 kg ou de 25 livres. Une heure plus tard, on va enlever le fromage de la presse, le démouler, défaire son coton fromage, le retourner, refaire le coton fromage et le remouler. Toutes ces étapes sont importantes pour uniformiser la pression qui est exercée sur le fromage. Ça va lui donner un aspect qui est beaucoup plus joli. Pour la deuxième presse, on va faire exactement la même chose, une heure à 11 kg ou 25 livres. Et finalement, pour la troisième presse, ce sera durant la nuit, 12 heures à 22 kg ou 50 livres. 12 heures plus tard, je vous l'avais dit, les cubes étaient très gros, la surface ne s'est donc pas fermée. Il faut donc presser encore le fromage. C'est un très bel exemple de photo que je reçois plusieurs fois par semaine dans ma boîte courriel. Coupez vos cubes plus petits, c'est vraiment la clé quand on veut faire du fromage cheddar. Je crois que le problème vient du fait que dans les grandes fromageries qui font beaucoup, beaucoup de fromage et des gros fromages, évidemment, pour un gros fromage, les cubes peuvent être plus gros. Nous, à la maison, vous avez vu, mon fromage ne fait que 1,5 kg. Mes cubes doivent être plus petits. Dans mon cas, je sors l'artillerie lourde, je vais appliquer un poids de 36 kg ou 80 livres sur mon fromage. Je veux absolument que la surface soit fermée. Ce poids, je vais l'appliquer durant 12 heures supplémentaires et même là, le fromage ne sera pas fermé. Est-ce dire que vous avez complètement raté votre recette si ça vous arrive? Bien sûr que non, la surface ne se fermera jamais, mais votre fromage a encore une chance d'être affiné et de devenir très délicieux. Par contre, dans cette situation-là, je vous conseille de le placer sous vide, puisque si vous tentez de former une croûte naturelle sur votre fromage, il y a plein d'ouvertures par lesquelles des moisissures peuvent entrer à l'intérieur de votre fromage et vraiment altérer beaucoup son goût, sa qualité. Mais avant de le mettre sous vide, assurez-vous de sécher votre fromage durant 2 à 3 jours. Autrement, vous allez voir apparaître un liquide dans votre salade
sac de sous vide. Le fromage cheddar, on va l'affiner un minimum de 3 mois à 13 degrés Celsius. Sous vide, vous n'aurez pas à contrôler l'humidité, elle va rester à l'intérieur de votre sac. Si vous êtes en situation plus naturelle, maintenez un taux d'humidité de 85% environ. En cours d'affinage, n'oubliez pas de retourner votre fromage à chaque semaine. Si faire du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets deux vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.